Et salut tout le monde, bienvenue sur Summoners War, c'est Natroz, et aujourd'hui on se retrouve sur mon compte. En fait, c'est une petite vidéo que je sors comme ça, parce que je me suis dit, si j'attends trop avant de la sortir, ça fera pas vraiment la surprise. Voilà. Alors que là, c'est vraiment tout frais, tout neuf. Voilà, on est le 31, c'est le jour d'Halloween, et comme vous pouvez voir, il y a toutes les métamorphoses qui sont activées. Ça, je pense que si vous jouez, vous avez dû remarquer ça sur votre compte, et vous avez dû être très content. Du coup, aujourd'hui, on va se retrouver surtout pour reformer des équipes et pour vous montrer un petit peu ce que je vais pouvoir faire selon mes 20 invocations. Voilà. Première chose, est-ce que vous voyez quelque chose de changé sur mon compte? Donc alors là, vous pouvez pas bien le voir parce que c'est un peu caché, mais si je fais ça, que je pousse mon Léo, vous voyez qu'il y a une nouvelle personne dans l'île des 5 étoiles. Hein? Et si vous êtes un petit peu observateur, alors voyons ça dans un autre sens. Si vous n'êtes pas bigleux, vous avez dû voir que dans la catégorie des 5 nattes, donc il y a à gauche de la vidéo, sur le pattern, il y a un nouveau 5 nattes, la reine du désert feu, Sekhmet. Voilà, j'ai invoqué ça hier soir. Je vais vous montrer un petit peu les invocations que j'ai pu faire hier soir. J'ai eu 3 procs, voilà, sur une dizaine de vélins, c'est... Enfin, c'est sympathique, hein, sur 11 vélins. J'étais content d'avoir 3 procs. Premier proc, Chloé, prêtre à Piquion. Alors j'étais très content, mais il y a de ça 3 mois. J'ai eu la première, tu vois. J'ai eu la deuxième, je me suis dit, putain, mais je suis vraiment le roi des doublons, quoi. Et ça me casse les couilles. Parce que c'est bon, j'ai besoin d'autres 4 étoiles, des trucs nouveaux. Tu vois, à la limite, pourquoi pas m'invoquer un Jojo? Hein? Pourquoi pas? Alors un galion à Verdéhil et une chasune, voilà, ça j'ai pas. Ça j'ai pas. Ça tu peux me donner. Ça comme toi, tu peux me donner. Voilà. Du coup. Je prends un screen, je vais sur le groupe Summoners War qu'on a des chefs de la guilde. J'envoie la photo, je fais putain les gars, je suis vraiment le roi des doublons et ça me casse les couilles. J'en ai ras le cul. Et je retourne sur le jeu un peu dépité, je fais putain il me reste 5 vélins, voilà je vais avoir de la merde. Je me suis dit le seul proc que j'ai c'est un doublon quoi, donc casse les couilles. J'ouvre mon vélin, je vois des étincelles, je fais oh! Oh! Et là, la reine du désert feu qui sort, très content. Alors franchement, j'ai pas gueulé comme j'ai pu gueuler pour mon moine bestial ou pour mon Léo, tu vois, qui étaient mes premiers. Et tout simplement parce qu'il était 2h30 du matin. Et si je gueulais, j'allais réveiller tout le monde. Bon, la première chose que j'ai fait, c'est réveiller mon petit frère quand même. Parce que là, il n'y a plus de respect. Et je lui ai dit, regarde, c'est quand tu suces, tu vois, bon, un truc comme ça. Et donc, prêtre à Piquion. Voilà, très bien, très content. Très content. Ça sera du foot pour un 6 étoiles. Et ensuite, quelques vélins plus tard, j'ai eu Shimitae, le Sylphe-Vent. Là, par contre, je vais être honnête avec vous, je sais pas du tout à quoi il va me servir. Hein, mais on va étudier ça. On va étudier ça. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de ma Sekhmet. Et puis surtout, on va pas commencer à parler. Pardon. J'ai pas mal évolué dans le jeu depuis que. Depuis la dernière vidéo que j'ai faite sur mon compte, qui était, il me semble, le. Comment monter un 6 étoiles 2? Je crois que c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur mon compte. Ou alors farmer les runes. Oui, ça doit être ça. C'était farmer les runes, la dernière vidéo que j'ai fait sur mon compte. Elle n'est pas encore sortie. Elle n'est pas encore sortie. Du coup, en fait, je vais les retourner. Les deux. Je vais refaire la vidéo comment monter un 6 étoiles numéro 2. Et comment farmer les runes. Parce que c'est vrai que j'ai pris un peu d'avance et c'est un petit peu con de ma part. Parce que vous n'avez pas la progression en live du compte. Tu vois, je publie cette vidéo là le matin. Et direct, je remets une vidéo après le soir sur Summoners War. Et vous voyez que c'est pas du tout pareil, que mon compte est différent. Du coup, c'est un peu con de ma part. Après, c'est vrai que je comptais vous montrer ça quand même, parce que ce skin me fait bader. Enfin bref. Il faut savoir en fait que j'ai vachement progressé dans le sens où, ben, je vais vous montrer, je me suis monté une petite équipe. Qui roule un peu surtout. Le géant 8, j'ai pu le faire. Comme vous avez pu voir la vidéo géant, le géant 8 n'était pas encore fait. J'ai pu le faire avec une de mes teams. Malheureusement, c'est un petit peu aléatoire, même très très aléatoire, étant donné que je ne le réussis presque plus à tous les coups. Donc c'est chaud. Le donjon de magie, voilà, je l'ai fait jusqu'à 10. Le donjon de ténèbres, je l'ai fait jusqu'à 10. Le vent et le light. Pareil, bon, en utilisant les monstres d'amis pour le 10 à chaque fois, mais le 9, en principe. Ça passe. En principe, ça passe. Donc, bon, je vais vous montrer un peu cette team. Alors, c'est une team très basique, hein. Je mets Veromos
que j'ai éveillé il y a de ça pas très longtemps. Hein, en une journée, j'ai rushé, je l'ai éveillé. Donc ça, c'était biv. Voilà. Donc, Véromos Belladéon, qui commence à avoir déjà pas mal de vie. Bernard, Barretta et Lucien. Lucien, j'ai pas touché assez à une fois. Peut-être que je monte celle-ci un petit peu, qu'il ait un peu plus de PV. Voilà. Donc, ça va tranquille. Sachez déjà qu'avec cette team, mais je rush tellement que je peux presque éveiller un 5 étoiles par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais celui-ci, j'avais rien hier. J'avais strictement rien. Bon. Il me manque encore des supérieurs de magie. Ça, c'est con. Mais en fait, j'ai éveillé Akassis pour préparer mon géant. Donc, ça m'a enlevé une dizaine. Ouais, je crois. Non, 5. 5, je crois, supérieurs de magie. Donc, bon. Mais là, mon Chandra est bientôt éveillé. Donc voilà, je pense que d'ici peut-être la fin de la journée ou la journée de demain, il sera éveillé. Parce que j'ai encore plein de choses à faire et ça, je vais vous en parler. Donc déjà, cette petite team, voilà, que je suis en train de monter de plus en plus, hein, les runes qui sont bientôt toutes plus 12. Les runes principales. Voilà, comme vous pouvez voir, ça avance. Ça avance bien. Surtout Bernard, là, qui commence à être vachement OP. Non, lui qui est un peu moins OP quand même. Bon, lui qui a ses runes principales 15, quoi. Donc bon. Voilà. Donc ça, je termine le géant, je pense. Je vais monter Akassis, que j'avais monté 5 étoiles il y a déjà un moment. Voilà, j'ai des petites runes sympathiques sur Akassis, donc bon. On attend qu'elle puisse faire le taf. Donc bon, on va voir ça, on va voir ça, on va monter Véromos 6 étoiles bientôt. Je vais voir. Avec tous les fous de 3 étoiles que j'ai, je pense que ça ira plutôt vite. Mais maintenant, Sekhmet. En fait, attendez, voilà. Sekhmet va me servir énormément. Donc vous pouvez voir qu'il me manque une rune Swift, encore une rune PV en 4, ça me casse les couilles, donc vitesse PV-PV. Donc voilà, j'ai une petite rune 6 étoiles ici, avec plus de précision, plus de PV. Malheureusement, il n'y a pas de préfixe. Voilà, on aurait préféré un préfixe, mais c'est pas grave, j'en avais une, écoute, 6 étoiles, on va pas cracher dessus. Donc, elle part sur des stats qui sont pas très très hauts. Mais déjà, je trouve qu'elle a des bons stats pour un 5 étoiles non éveillé, le L25, elle a des bons stats. Je trouve, hein, c'est mon. Voilà. C'est mon point de vue. Après, voilà. Après, on va voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire de cette Sekhmet? Si vous ne connaissez pas ses compétences, je vais vous les lire. La première, toucher de séduction, attaque l'ennemi avec 50% de chance de réduire sa puissance d'attaque pendant 2 tours. Ça, sur un skill 1, c'est sympa. 50% de chance, c'est vraiment sympa. Puis elle fait déjà pas mal de dégâts. Attaque tous les ennemis 3 fois, donc malédiction de la beauté. Attaque tous les ennemis 3 fois avec 50% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours. Première chose, énorme. Voilà. Bon, un CD de 5 tours, donc 4 tours skill max, mais c'est énorme. C'est énorme. Et si on monte ses effets nocifs, on passe à 75% de chance. Quand même. 75% de chance d'un break death AOE, surtout si elle est runée. Donc pas dans mon cas, hein, mais vous la mettez en focus. Ça fait vraiment le taf quoi. Donc nickel. Et puis c'est pas fini, parce que ça reste un 5 étoiles. Puis augmente les chances de donner un coup glancing à l'ennemi et perturbe la récupération de ses PV. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Franchement, que demande le peuple? Donc elle est à 5 tours de CD, comme la troisième. Donc voix charmante, attaque un ennemi et vole tous les effets de renforcement et met en temps de pause toutes les compétences de l'ennemi au max. Franchement, vous tombez sur un boss en TOA. Il commence à avoir, parce qu'il y a une Chloé à côté de lui, immunité, invincibilité, défense, attaque et tout ça, vous pouvez tout lui mettre. Voilà. Il va bientôt vous mettre un sale coup en montant ses compétences qui ont presque plus de CD. Vous utilisez un petit skill 3, qui passe à 4 tours de CD d'ailleurs quand il est skill max. Vous chopez tous ses effets de renforcement. Et vous bloquez toutes ses compétences. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Du coup, je vais bien la garder de côté. Je pense que ça sera après mon Véromos, peut-être bien après mon Belladéon, je vais voir. Mais ça sera très très vite un de mes 6 étoiles. Parce qu'il va beaucoup me servir. Plus que mon Léo, qui est d'ailleurs même pas encore fini de runer. Il me manque une petite rune ici. Et peut-être même plus que mon Chandra. Mon Chandra qui va venir surtout en raid, mais vu que j'en suis pas là encore, on verra bien. On verra bien. Du coup, j'étais en train de me dire dans quelle team est-ce que je pourrais la mettre. Parce que le géant,
sera peut-être pas très utile en géant. Étant donné qu'elle met pas beaucoup de buff sur l'allié, elle est surtout sur, sur l'ennemi. Du coup en géant, non. Peut-être bien en dragon. Peut-être bien en dragon, si j'ai une team conséquente à côté. Bon, faudrait que je l'ai 40 pour qu'elle soit vraiment efficace en dragon. Mais bon, mais bon. Je vais voir. En nécro, en nécro, elle sera peut-être un peu plus forte que les autres parce que son skill 2, il tape plusieurs fois. Voilà, il tape 3 fois. Mais bon, il a 5 tours de CD. Du coup, c'est pas top. C'est pas top. Mais bon, donc ce sera extérieur au donjon. Voilà. Elle va beaucoup me servir, je pense, en raid. Quand je pourrais faire du raid. Elle va beaucoup me servir en GVG. Et là, voilà, les GVG, je pense que je vais leur rouler dessus. Mais surtout, quand on regarde mon compte un petit peu, on voit que la TOA, ça va faire très mal. Je pense que je vais rouler sur la TOA. Tout simplement parce que j'ai pas mal de monstres qui peuvent être sympas en TOA. Je pense à mon moine bestial, mon petit Chandra qui est bientôt éveillé. Une petite oie, qu'il va falloir que je rerune d'ailleurs, enfin, pour laquelle je vais augmenter ses runes. Elle a pas beaucoup de PV, hein, ma oie. Ça c'est dommage. Mais bon. On va voir. Ah merde. Ah merde. Bon. Voilà. Hein. Après une courte ellipse, j'étais en train de dire que Wa n'avait pas vraiment de PV. Donc faudrait que je la monte. Ensuite, on a Chloé. Chloé qui va être très très bonne en TOA, je pense. On met ça avec des. Oui, c'est vrai que ça marche plus avec la souris. Du coup, on va pouvoir la mettre sur le Teco. Donc, Chloé, voilà, qui va faire le taf. Qui va faire très rapidement le taf. Bon, faudra la mettre avec une bonne team, cela dit. Surtre, j'en sais rien. Barretta. Barretta, kiffant. Kiffant. Donc, peut-être bien Rang, Bernard, évidemment. Belladéon, Véromos. Mais après, ce sera peut-être un peu plus bas. On va retrouver un Orion, qui peut être sympathique en TOA. Une Miyang. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Mav, évidemment. Sekhmet. En TOA, elle est vraiment bien. Je pense qu'elle peut vraiment faire le taf en TOA. Et ensuite, on va retrouver voilà, les bons monstres de TOA. Les Taoïstes. Le Taoïste Dark, à ce qui paraît. À ce qui paraît, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester. Il roule sur la TOA. Ah ouais, j'ai regardé les commentaires et tout, puis je suis allé sur Facebook, sur la page de Summoners War France, et je suis allé demander. J'ai fait, écoutez, j'ai eu un Taoist Dark, je sais pas du tout quoi en penser. Et ils m'ont dit, garde-le. Mets-le de côté, il va te servir plus tard. Pour la TOA Hard, il va te faire le taf. Alors s'il fait le taf pour la TOA Hard, je pense que pour la TOA Normale, il doit vraiment être bon. Et ces deux-là, Taoist Vent et Eau, donc d'ailleurs, je vais les passer comme ça, parce que c'est quand même super classe métamorphosée. Voilà. Eux aussi, ils font vraiment le taf au niveau de la TOA. Donc, j'ai une bonne base de TOA. Et je pense que si j'augmente tous ces monstres 35 ou 40, la TOA, je lui fais très mal. Et puis, j'ai un petit Spectra. Ici, que j'ai que dalle montée, qui va peut-être falloir que j'éveille un jour. Ça pourrait être une bonne idée. Mais enfin. Donc Spectra qui va faire le taf aussi. Donc je pense que là la TOA, elle a qu'à bien se tenir. Donc là mes objectifs, c'est vrai, ça va être terminer le géant. Donc monter toutes les runes de mes monstres. Monter Akassis un peu plus, lui mettre des runes. Pourquoi pas un peu plus de PV quand même. Mais terminer ce géant. Terminer ce géant, ça va être mon objectif terrible. Donc je finis ce géant. Et je suis chaud pour la TOA. Voilà. Donc ça va être un petit peu les objectifs de mon compte. Voilà, comme vous pouvez le voir, mes îles commencent à être bien remplies. Donc bon. Voilà, j'ai énormément de foot 3 étoiles. ça va être chouette. Je pense qu'il y a un 6 étoiles qui va bientôt arriver. De toute façon, je referai une petite vidéo review de mon compte. Le jour où il y aura un petit 6 étoiles, un petit nouveau, hein, ou alors un petit nouveau 5 étoiles, et on va faire ça. Du coup, là, je vais rusher la mana, je vais faire une petite déco de mon île, et je vais voir. Ça marche ?
On se retrouve la prochaine fois. Je vais retourner mes vidéos runes et monter un 6 étoiles 2. Donc comment le monter. Et on va se retrouver après pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles reviews ou pour de nouvelles summon sessions. Allez, salut tout le monde, c'était un plaisir.